Amis du soir, bonsoir. Oh! On va pouvoir monter de... Flétri, c'est là. Ok. Donc évidemment, on va continuer la quête. Là où on en était. Mais on va poule sur la bannière. Évidemment, envie de poule sur la bannière. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Suivez les instructions. Ouais. C'est quoi les instructions? Ben, je sais pas où sont les instructions. S'il dit qu'il faut les suivre, on va les suivre, mais je sais pas où elles sont. Là-bas, il y a un coffre, on dirait. Ok. On va descendre gentiment. On va changer la team alors. On va bien manger un petit truc là. J'ai des trucs à passer là, il faut que je passe des trucs. Tiens, voilà, pof, très bien, il me reste un. Ils m'ont repéré, les loups. Alors, ouais, ça va, c'est les petits, ils sont pas super méchants. La mère, elle a plutôt la peau dure quand elle est là. Ah, je crois qu'il est très réveillé lui, même pas. D'accord, et on continue à accumuler les sauts. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais. Ah, super, il y a une pièce, on va peut-être continuer sur celle-là. Il y a une fée là-bas, oui. Alors, attends, ça pue, ça pue, ça pue. On va faire ça comme ça. Là, il y a un petit courant d'air qui va me permettre d'atteindre la fée. Ils vont se réveiller, les robots, là. Ah, je me vois pas trop me battre sur le bord. Non, ça va. Faut pas... elle est barrée où, la fée? Bah, t'as qu'à te barrer, si tu veux. Je sais pas où elle est partie. Bah non. Elle est bonne celle-là. Oh la saleté. Ah, elle est peut-être descendue. Ah, elle est descendue. Ouais, enfin c'est le vide en bas quand même, cocotte. Je vais prendre un peu de risque là. Par là. Ah! Ah, je suis mort de rire. D'accord. Attention, t'approches pas, c'est dangereux. Sans blague! Dangereux, dangereux, t'as trouvé ça tout seul? Du coup, c'est barré où? J'avais pas eu encore ce genre de choses. Bah du coup, je sais pas où c'est par où elle est partie. Bah, je pense qu'elle peut être que plus bas, elle peut pas être plus haut. Hein. Si? Ah! Non mais attends, il faut aller dans le vide pour la déco. Non mais c'est quoi ce bins? En dessous c'est le vide, en dessous de cette plateforme, il n'y a plus rien. Ok, on va la toucher, tant pis. D'accord. Oh, ce que je déteste, les murs invisibles. Hop, là, c'est le vide. Bon, en même temps, si je peux sortir de là, non? Bah oui, vas-y, sors de là.
De toute façon, je suis encore obligé de me jeter dans le vide. Pas comme si j'avais le choix. Oups. D'accord. Ah, c'est chelou quand même, hein. Ah, coffre. Bah oui, bah bien sûr, il est là-bas. Bon, bah j'imagine qu'il est sur une plateforme invisible alors. On va y aller. Hein. On va se mettre juste devant, voilà. Voilà. Un luxueux! T'es sérieux? Ah oui, y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah si, si c'est une montre. D'accord. Oh, oui, si, il est plein quand même. Bien, 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 bien. Bon, cassos. Ok. Bon, je me laisse un peu porter. Ok, visiblement, il n'y a plus grand-chose à faire. Le pire, c'est que. Il te dit suivez les instructions, mais il n'y a pas vraiment d'instructions. C'est quoi les instructions? Je sais même pas où je suis, je sais même pas quoi faire. Ça, c'est assez mal foutu. C'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas sur Genshin Impact. Hein. Généralement, on te laisse pas trop souvent comme ça. Démerde-toi, non, ça arrive quasiment jamais. Donc, je suis assez étonné. Bon, bah, on va aller voir au milieu, j'imagine que ça se passe, non? Je sens bien qu'ils m'attendent là. Si je fais ça, ils vont pas aimer. Non? Sérieux? D'accord. Bon, ben. Ah, d'accord, ok. Il y a un truc comme ça. Et donc, il faut trouver le truc qui alimente ça. Et il n'est pas là, donc j'imagine qu'il est dans la pièce d'à côté. Ouais, ça sent. Ça sent. Ouais, ça se sent comme ça, je trouve. D'accord. Escalier. D'accord. Donc les fameuses autorisations, notamment c'est pour ouvrir ce genre de porte, vous voyez. Vous n'avez pas d'autorisation, sans blague. Ça, c'est pas un ascenseur? Ben non. Donc je viens d'où d'ici? Ouais. Je viens d'ici et il y a un autre escalier là. Donc ça, ce genre de tour, c'est il faut l'alimenter. Ouais. Il n'y a que dalle autour. Ouais. Ok. Merci de nous laisser un peu dans la merde là. Il n'y a pas tellement d'autres mots. Ouais. Donc là, ah, j'ai pas été là-haut. On va aller voir. D'accord. Donc là, ça ressemble à une plaisanterie. Donc c'est pas, ça se passe pas ici. Donc on va aller voir ailleurs. Ouais, comme je dis, jamais le jeu nous laisse comme ça. Pas d'autres pièces, lui il veut nous faire envoler. Ouais, peut-être au-dessus, on va aller voir. Je vais quand même aller voir par là. Ah, là aussi, il y en a un autre truc aussi à combler en électricité. Enfin, j'appelle ça électricité, mais. Non, il n'y a pas d'autres pièces par là. Ok. Donc, on va passer à l'étage au-dessus. Ah, bah, là-haut, hein. Moi je vois pas d'autres. C'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Ah, ça c'est bon à prendre. Ils ont un peu eu la folie des grandeurs sur les décors quand même. Ok, ouais. Là, tout est verrouillé. Ah oui, quand je dis tout est verrouillé, tout est verrouillé pour de vrai, quoi. D'accord. Ça pourrait l'air d'être dans cette pièce, hein, visiblement. Il y a quoi là par terre? Il n'y a que dalle. Le coffre, il n'a rien à voir avec les ennemis. Hein. Il va falloir certainement électriser ce genre de mini-tour là. D'accord. Ça pourrait l'air. Non, on dirait qu'il ne se passe rien dans cette pièce. Ouais. Bah du coup je sais pas trop. Est-ce que là il se passe un truc? Non, il se passe rien. Bon, donc c'est pas là. Je suis à court d'idées là.
Je suis à court d'idées. Plus haut peut-être, j'en doute. Non, ça n'a pas l'air. Non, non, il n'y a rien plus haut. Ça pue, ça pue, ça pue. Je ne sais pas. Suivez les instructions. Je ne comprends pas parce que quand je fais ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ouais. Ah, au-dessus peut-être. Ah non, c'est là où je viens. Je viens d'en haut, moi. Eh bien, c'est ça qu'il faut relâcher déjà. Ben, on voit là déjà, je suis. Ok. C'est un peu comme l'effet, il faut l'accompagner. Il est barré où? Ah, mais il fait comme l'effet, il va n'importe où. Il n'y a rien plus bas hein, qui va où, mon con? Ah, si. Ah d'accord, parce qu'il y a aussi des trucs là. Vas-y, c'est un relais. Ah oui, donc il faut couper le ventilo parce qu'il passe pas. Ouais, mais moi je sais pas couper le ventilo, mon gars. Ah mais il était coupé! Ah mais au contraire, fallait peut-être qu'il soit enclenché, non? Bah ben, non. Ah, attends, il passe pas quand il est coupé, il passe pas. Ah si! Ouais, je comprends rien du tout, c'est n'importe quoi. Vas-y, viens à ton relais. D'accord, on a la pièce à côté. Ça me rappelle un autre jeu qui te fait perdre du temps inutile in-game. Ah, parce qu'il y a des tours ici aussi, alimentées. Eh ben, il va en falloir combien des boules bleues? C'est des dizaines? D'accord. Je suppose qu'il faut alimenter les deux tours pour que celle-ci prenne forme. Donc, il faut trouver une autre boule bleue. Ok, ça c'est peut-être jouable. J'ai regardé, de toute façon, il n'y a pas grand-chose dans la pièce. Donc, essayons de trouver une autre boule bleue. Là-bas, non? Oui, là, ça pue, là. Non, on va passer par le haut. Non, c'est pas une boule bleue, ça. Ça, c'était la... C'était la fée, d'accord. J'en vois pas d'autres dans cette pièce. Ouais, j'en vois pas d'autres moi. Là-haut. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux quand même tout ça. Hein. Salut! Salut, salut! J'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait dans la pièce où j'étais. Tu vas pas à gauche? Parce qu'il y en a d'autres, des tours à alimenter? Ah bah oui, il y en a quatre. Oh non, t'es sérieux?
Ah mais je vais pas avoir les quatre boules bleues là. Ah, il y en a une qui était déjà alimentée là. D'accord. Il y en a une qui était déjà. Donc en théorie, il me resterait une boule bleue alimentée pour cette tour-là, de manière à ce que ça alimente celle-ci. C'est ce que je comprends. Hein. Après, moi, il y en a moyen d'être un peu stupide, hein, on sait jamais. Hein. Bon, donc faut qu'on voit si on trouve une autre boule bleue. Non, j'ai pas poule, non, non, non. J'attendais qu'il y ait un peu de monde. Pour pas faire ça en fais-je tout seul, quoi, tu vois. En mode. Il va se la poule tout seul dans son coin. Je cherche ma boule bleue. Non, mais ça va pas tarder, hein. Je vais pas faire traîner. Ah, je suis pas du genre à faire traîner. Non, j'ai très envie en plus, donc. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas poule. Ah, là-haut peut-être, j'ai cru voir du bleu. La dernière fois que j'ai dit ça, cette phrase-là, j'étais dans une salle de billard. J'ai cru voir du bleu là-haut. Ouais, c'est ça. Ok, on la suit. Allez. Eh oui, j'ai joué au billard dans ma vie. Beaucoup d'ailleurs. De la neuf, snooker, c'est mon préféré le snooker. Avec un ami, hélas décédé aujourd'hui, mais c'est bon souvenir. Ok, ou je l'ai mal faite celle-là. Vite, 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 vite. Oh, joli rattrapage. Ok. On va se faire voilà, le tour. Allez. Mais je sais où tu vas. Il descend? Elle était plus bas la salle? Non. Ah si, c'est ça. C'est là, vas-y. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Et ça me rappelle un certain jeu qui aime bien nous faire rester sur le jeu pendant des heures, à croire qu'ils touchent des sous quand on est connecté sur leur serveur. Bon, c'est pas le cas de Genshin quand même, mais quand même, ça y ressemble. Alléluia. Ah, j'ai débloqué un truc sur ma tablette. D'accord? Ah, c'est ça les trucs qu'il faut. Alors attends, donc c'est ici. D'accord, c'est ça les trois trucs. Ah, donc j'ai dû faire celle-là parce que. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut faire les autres, c'est ça? Pour avoir visité, yes. Ah, c'est ça ce que tu appelles les autorisations? D'accord. Énorme plaie du ventilateur. Ah mais c'est pas des lieux, c'est la façon dont on joue ça. Je crois que c'était des lieux, mais je connais ça tout ça. Mais je connais. C'est quoi ça alors? Vous devez trouver l'endroit où la sagesse du roi Deshret est dissimulée à l'aide de la carte du Holdopet. Nouveau. Mais il est toujours nouveau le truc. Ah oui, c'est nouveau parce que. D'accord. Oui, mais du coup, je vais où maintenant? Parce que là, du coup, cette salle est finie, il n'y a plus rien à y faire. Oh, je vais aller voir dans la grande salle si ça a changé. Bah, je veux bien suivre la quête, c'est juste que. Je comprenne comment on suit la quête.
Olympiades, c'est là qu'il faut aller. Il faut que je... Bon, on va voir, hein, allons-y. Quelle heure il est? 37 à 45, je poule. Tu as le poule, c'est comme ça. Donc on va aller voir si c'est ça qu'il faut. Ouais, je me souviens d'être là. Ah! Alors, ça, oui. Rendez-vous à l'emplacement indiqué sur la stèle. D'accord, c'est ça. Il faut que je trouve ce graphisme-là. Là-dedans. D'après ce que je comprends. Je me souviens que j'ai déjà pris des trucs là. Je les ai tués d'ailleurs, mais allez vous faire mettre. Alors là, il y a quelque part un Culus que j'ai jamais trouvé. Mais vu qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur, eh ben c'est pas évident. Alors, pourquoi on m'a amené ici? Mais ils vont pas me lâcher la grappe, les mecs là, sérieux? Là, déjà, il y a une autorisation que j'ai pas pour ça. Examiner, ben oui. Alors. Ah, ouais, les murs invisibles, tout ce qui me fait marrer. Déjà, mauvaise direction. J'en reviens pas, c'est. Enfin, je dois être vraiment plus bête que le truc. Comment je. Je suppose que c'est. On doit aller ici, c'est ça? Comment tu peux savoir la direction? C'est ça qui m'épate, moi. Il n'y a aucune indication, il n'y a rien. Alors oui, je sais que tu l'as, j'ai compris que tu l'avais fait, mais. Il est où le Culus? Il est à mon niveau. Non, mais cherche pas, il est forcément. Il est forcément dans les sous-sols. Hein. Ouais, il fait comprendre que je suis idiot. Je le sais. Ah, attends, fais voir, les obélisques là. Ça... non, ça ressemble même pas à ça. Non, mais je sais. Mais tu sais, il y a des fois, je suis tombé sur des. Je suis tombé sur des énigmes que j'arrivais pas à comprendre. Et même. En suivant la vidéo que j'ai trouvée et en ayant fait, j'ai toujours pas compris comment. J'aurais bien voulu savoir comment les mecs avaient trouvé. Explorer toute la zone. Eh oui. Bah, je suis pas non plus en train de me branler les nouilles, quoi, tu vois. J'explore là. Ah, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Il y a des choses en dessous. Scarabée? Ouais. Oh, c'est bien la première fois qu'il y a un truc dedans. Attends, il y a les. Oh là là, oh le labyrinthe. Pff, oh là 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 là. Mais je l'ai fait ça. Le truc bleu là-bas, il sert à faire la cellule et la cellule c'est fait. Eh oui, bah oui, c'est que ça, évidemment. Alors le fait que je sois quelqu'un de maladivement impatient, ça aide pas non plus, hein. Ça, je t'assure. Et ça m'amuse pas. Hein. Je le fais pas exprès d'être impatient. Je suis le genre de mec qui peut. Enfin, je rage quitte pas dans n'importe quelle circonstance non plus, mais. Je peux facilement abandonner la quête si ça me gonfle. Ah bon? Je sais pas comment tu sais. Je ne sais pas comment tu sais ça, toi.
Ah bon? Mauvaise direction. Et tu connais le truc par cœur. Y a aucune. Le truc que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune aide. Alors, l'ennemi qui m'attaque alors qu'il est au-dessus, j'adore. Ça, c'est crédible aussi. Je sais pas s'il faut aller dedans ou dehors. Non, mais dedans, j'y suis allé, il n'y a rien. À part les deux, trois ennemis à taper, mais je l'ai déjà fait puisque ça a été débloqué. Moi, je veux bien les retaper, mais dedans. Dans quoi? Oh, l'autre il est saoulant à vouloir me niquer à tous les étages. Ah ouais, mais tout ça a déjà été fait, ça. Le labyrinthe. Comment on peut s'y retrouver Bah oui, bah évidemment. Ouais. Et me revoilà ici. D'accord, super, j'adore. Bon. Tout ça, c'est que des trucs qui ont déjà été faits, donc c'est ça, je pige pas. Il n'y a aucune indication, suivez les indications. Quelles indications, crétin? Y a que dalle. Et ce truc-là, c'est incompréhensible. Ça, tout ça est fait, sauf celui-ci. Voilà pourquoi. Les profondeurs du mausolée, voilà, suivez les instructions. Vous devez vous rendre au lieu de renaissance. Ah bon? Bon, j'aimerais. Salut Léandre. Non, j'aimerais juste comprendre. Parce que je veux pas forcément, tu vois, qu'on mâche le travail. Je veux comprendre comment il y a des gens qui arrivent à comprendre alors qu'on ne te donne aucune indication. On te dit, en gros, démerde-toi. J'ai. Attends, on va obtenir l'autorisation. Il faut trouver cette. C'est la salle où on était tout à l'heure, ça. J'ai compris. C'est la salle où on était tout à l'heure. Mais là, on ne me donne pas plus d'indications. Si au moins il y avait un truc qui disait bah, aller par là, aller vers le nord, machin. Tu vois, je veux bien, mais il n'y a que dalle. C'est démerdez-vous, quoi. Ah, ils m'ont vu, les salopards. Oh là là, oh, c'est chiant. Sérieux? Il est où là, celui qui m'attaque là? Il est encore au-dessus ou en dessous? Quelle heure il est? Allez, il est 45. J'avais dit à 45 on poule. Allez, on poule. Hein. Tiens, on va s'asseoir là. Voilà. Je sais pas, poule. Allez, en plus, je suis dans un halo de lumière. Alors, déjà. Donc, je vais pas faire du all suspense, mais je vérifie. Déjà, on a eu le 4 étoiles au dernier tirage. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57. 57, ce qui fait 15, 16, 17, 10, 18. On est à 18 de l'appétit. Alors moi, généralement, j'ai rarement. Ouais, on n'est pas loin. Deux tirages, c'est ce que j'avais prévu. Généralement,
J'ai pas de chance. Enfin, je vais toujours jusqu'à la Pitié. Je crois que j'ai jamais eu avant la Pitié. Une seule fois, j'ai eu, je sais plus comment ils appellent ça, les mecs. J'ai eu 2-5 étoiles quasiment d'affilée, quoi. Ça m'est arrivé une fois. Donc, voilà le nerf central. Non, la soft pity, c'est 75. Ce que je veux dire, c'est que ça porte un nom quand tu as un 5 étoiles et 3 trucs après, tu en as un deuxième 5 étoiles. Ça porte un autre nom. Non, la soft pity, elle est à 75. Ouais, je sais plus comment ils appellent ça. Ça porte un nom. Bref, j'ai oublié et on s'en fout. Allez, c'est parti. On se fait un coup de 10 là, tant qu'à faire. Donc il y a peu de chances qu'on ait. Voilà, on n'a pas, c'est normal. Par contre, au prochain, c'est sûr qu'on ait. Ah, quoi que c'est sûr, non. On a plus de chances d'en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en 4 étoiles? J'ai envie de dire, à la rigueur, je m'en fous parce que je crois que les 3 persos, je les ai. Et je crois qu'ils sont pleins, les 3 persos. Donc remarque, tu vas me dire, ça me fera des astéries. Une arme, ouais, ou un perso, je m'en fous. Bah, faudrait que ça... Ah, le bâtard, il va arriver en dernier. Ah, perso. Ling Yang. Donc. Deux. Joli. Donc. Je les ai tous les deux C6, donc j'ai eu des astéries à la place. Ce qui me va très bien. Parce que grâce aux astéries, on peut s'acheter. On va pouvoir s'acheter une arme. Bon. De toute façon, les persos, je crois que j'ai. Il me semble que j'ai les trois en. Les frangines. Donc alors attends, 10 secondes. On revient dans le détail, que je vérifie un truc avant le prochain, parce que le prochain tirage c'est bon. Xingqiu, Ning Yang, Bedu. Donc on va regarder mes persos. Ok, c'est 6. Xingqiu, C6 aussi. Et Ning Yang, C6 aussi. Donc ça sera Astéri systématiquement pour les persos 4 étoiles. Donc en effet, oh, ah, quelque part les Astéri ça peut aller. Alors attends. Boutique. Les Astéri, j'en suis à 22. Alors, plus de vœux, oui, c'est vrai, tu as raison, puisqu'on peut s'acheter évidemment des pierres. Je crois que on a le droit à un certain nombre, non? Je suis pas sûr. On peut acheter jusqu'à. Non, là, je peux en acheter 4. Ouais, mais bon, pour l'instant, je ne les dépense pas parce que je veux bien garder pour avoir des armes roche noire, là. Que je n'ai pas, donc. Et c'est des armes en plus dégâts crit, ou autocrit. Non, dégâts crit, il me semble. Donc à la rigueur, ça m'intéresse, ouais. Donc voilà. Donc on y va. Est-ce qu'on se les fait un par un ou quoi là? De toute façon, on n'aura pas de. Si, on aura forcément un 4 étoiles. Allez, on se le fait. Allez, on se le fait par 10. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, perso 5 étoiles. Même pas! Oh les bâtards, j'ai dépassé la soft pity! Oh les bâtards! Oh, remarque, si je me souviens, je dépasse toujours de 2 ou 3, je crois, un truc comme ça. On accélère un peu. Allez, montre-moi. 4 étoiles toujours à la fin. T'es chier, quoi. Ok. Donc, j'ai fait 20, j'étais à 57, ce qui nous fait donc 77. Donc, on a dépassé la soft pity de 2. 77. Donc on va se les faire un par un maintenant là. Allez, on y va un par un. C'est parti. Donc 78. Je vais pas faire comme les youtubeurs, les mecs qui crient et tout, ils font tout un tas de cinéma, sans déconner, comme s'ils jouaient leur vie. Donc 78, j'ai dit. Donc 79. Bon, faudrait peut-être pull maintenant, quoi, merde. Il me coûte cher là. J'espère que Tao va tomber. 80. Toujours pas. Oh, punaise.
81. À la rigueur, je m'en fous, de toute façon. Ça tombe. Lève-la, ça y est. Hey Tao! Mais il me semble que j'étais sur le sang là. Merci, merci. Sympa. Et Tao avec son chapeau. Et il me reste donc, il me reste 44. 44. Ouais, ça m'amènera à la moitié de la pitié pour la prochaine. De toute façon, la prochaine bannière, je sais. Est-ce qu'on a déjà les... Non, je crois pas les annonces des bannières. Celles-là viennent d'arriver, donc je crois pas qu'il y a les... Ah ben non, il n'y a pas encore les prochaines bannières. Ok. Content, on va l'équiper déjà. Puis on va se faire quelques boules bleues. Alors, bon, on va l'équiper, donc on a dit qu'on lui mettait... Où est-ce qu'elle est ? La fléau du dragon en rang 5. Pim, super. Que je pourrais renforcer... Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Oui, ce donjon-là, je l'ai fait très rarement. On va la monter un peu, voir ce qu'on peut faire. Donc, hop, évidemment, on utilise celle-là parce que sinon elle ne sert jamais. Pam, déjà en 20. Élevé, on a ce qu'il faut. C'est quoi que tu veux ? Ah, fleur de soie. Ben, dis donc, fleur de soie, oui, j'ai ce qu'il faut. Ah, les boules bleues, ah oui, les boules bleues, je les fais toujours, moi. Toujours. Pim. Alors, est-ce qu'on peut la monter un peu plus? Allons-y. Go. Niveau 40. Alors, c'est là. Voilà, c'est là que ça bloque. Ça, je vais pas. De la jade juvénile, c'est qui? Le géosaure antique? Les géosaures antiques, c'est le truc que j'ai fait avec le gars la dernière fois. Fais voir où il est. Montre-moi sur la map. Oui, c'est lui que j'ai fait la dernière fois. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai été aider un joueur qui avait besoin d'aide pour le passé. Donc je l'ai fait il y a peu de temps, il y a 2-3 jours. Oh, deux, ça a été crème. Hein. Même si je l'avais déjà fait à l'époque où il est sorti, mais voilà quoi. Ok. Bon bah c'est bien. C'est bien. Donc on va se faire un petit tirage boule bleue. On en a une. Ne sais pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé ça. Non mais. Un petit tirage boule bleue. Où est-ce que j'en suis? J'ai eu le 4 étoiles il y a peu de temps, je crois. Ah bah oui. Eh bah oui. Ouais, donc... ouais, il va rien avoir, quoi. Je suis assez loin de la pitié, je crois. Ok. On va faire un tour à la boutique. Je réfléchis. Combien il m'en reste ici? Il m'en reste une seule à acheter. Bon, vas-y, prends-la. Ok. Ici, je peux m'en acheter 3. De toute façon, j'ai pas besoin des astrions pour rien ici. Non, je dépense que là-dedans. Hop, vas-y, prends-les. Il m'en restera 2 pour le mois. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Actualisation dans 20 jours. Ouais, bah. Ah, remarque logiquement, si je fais plus de. Si je poule plus. Ouais.
Bim. Voilà. J'ai oublié le nom, mais ça marche. Deuxième 5 étoiles d'affilée. Je sais pas pourquoi. Je le sentais. C'est pour ça que je l'ai tenté. Eh oui, ça, je sais plus, ça porte un nom. Ça me fait chier, j'ai oublié. Il suffit de regarder les tirages sur les youtubeurs, ils disent, ils espèrent tous savoir ça. Ça arrive, ça arrive. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur 2 ans. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? À la rigueur, là, que j'ai un perso ou une arme, je m'en fous. Hein. Même une arme, je suis preneur. Perso, oh, Utao, ouais, je suis déçu. J'aurais préféré avoir quelque chose d'autre. Moi, je m'en fous des C1, C2 jusqu'à C6, je m'en fous complètement. Pour gagner quoi? 5% de trucs en plus, c'est dommage. Ben, merci, merci, mais bon, je la cherche pas, surtout pour un perso que je compte pas forcément jouer. Avec de la perception, ouais, je pense que j'ai besoin. Je sais pas combien j'en ai, je pense pas que j'en ai beaucoup. Bon, je suis allé à la pitié assez loin, je suis allé à combien? 80, 81 ou 82, je crois. Et là, du coup, je l'ai eu tout de suite, donc pas mal. Pas mal. Bon, bah, on va se la mettre, hein. On l'a. Hein. Ça donne quoi, sérieux? Ne consomme pas l'endurance tant que. Ouais, c'est pas grand chose, hein, franchement. Même là, c'est jamais. Ouais. Bah cool. Artefact, je sais plus. Si, j'avais noté. J'ai noté sur mon papier là, c'est ça. Artefact, oui, 7 de sorcière, des flammes ardentes. Et par 4 en plus. Et il faut chercher surtout du PV et de la maîtrise. Et évidemment du pyro si on a, du dégât crit, taux crit si on peut prendre. Mais voilà, il faut rechercher essentiellement du PV. Parce que, bah, elle doit avoir besoin de PV pour un de ces trucs, c'est ça. Voilà, proportionnel, voilà. Faisant appel aux armes ardentes, Utao inflige des dégâts pyro dans une large zone. Utao récupère à chaque ennemi touché, 5 ennemis maximum, une quantité de PV proportionnelle à ses PV max. Ah oui, alors, si je me souviens, quand on fait son ulti, elle perd 30% de ses PV, je crois. Il y a un truc comme ça, je crois. Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants si les PV de Utao sont inférieurs ou égaux à 50% lorsque la compétence touche. Et celui-ci, voilà, Utao, voilà, consomme un certain nombre de PV. Normalement, c'est 30%, je crois. Enfin, d'après ce que j'ai entendu. Pour repousser les ennemis proches et entre dans un état de Paramita Papilio. J'avoue que déjà, ça me fait chier, moi, de perdre des PV. Donc, ok. Ouais, maîtrise élémentaire, ouais. Sablier, PV. Mais après, moi, je crois que j'en ai pas... Flamma... Alors, attends, où est-ce qu'elle est? Ah ouais, super, j'en ai qu'un. Cela dit, PV pour 100, dégâts crit pour 100, attaque et recharge d'énergie, donc il est plutôt bon. Hein. Il est plutôt bon. Et même le dégâts crit pour 100, il est à 7,8. On va déjà lui coller celui-là. Là, il n'y en a qu'un, il est utilisé par Bennett. Ouais, puis c'est du soin, donc autant le laisser à Bennett, hein, c'est sûr. Ah oui, j'ai pas fait souvent ce donjon. Ah là, il n'y a que dalle, d'accord. Mais... Ouais. Mais... Je suis en train de penser à ça.
Ah, là, il y en a deux. Il y en a un qui est utilisé. Recharge d'énergie, 51%. Ouais, il est utilisé chez qui? Chez Bennett aussi, bah oui. Et là, recharge d'énergie, ce qui est plutôt pas mal. Maîtrise élémentaire, ce qui est plutôt bien. Taux crit, ce qui est plutôt bien. Mais malheureusement, la défense vient tout gâcher. Et généralement, bah, quand tu. Bon, de toute façon, je vais lui mettre. Hein, il a personne pour l'instant. Mais généralement. Quand tu montes l'artefact, c'est la défense qui prend quoi. Alors moi j'ai jamais de chance à ce niveau-là. Et celui-ci, bah pareil, défense, dégâts crit, attaque, recharge d'énergie, il est plutôt pas mal aussi. On va lui mettre. Mais après, il y a possibilité, moi j'ai je suis quasiment au niveau max. Non, c'est pas du tout ça. C'est ça. Je suis quasiment au niveau max là. Voilà. Ah bah j'y suis au niveau max même, carrément. À un près. D'ailleurs, il faut que je m'en libère de 3. Je vais m'en libérer de 3. Hop. Hop. Et voilà. L'attaque. Ouais, bien sûr. Bon, surtout que les artefacts, en plus, sur un perso que je joue pas, très honnêtement, c'est pas ma priorité. Ouais. Joli par deux. Ah, dégâts crit. J'ai de la chance là. Ah, j'avais pas vu qu'on était, c'était fini. Dégâts crit, ouais, 9% taux et 13% dégâts crit. Faut que je libère un petit peu d'artefacts. Je vais continuer à libérer un peu d'artefacts parce qu'en plus demain matin, au réveil, je vais faire du donjon. Donc, lui, il a 13. Ouais. Charge d'énergie défense. Ouais. Maîtrise élémentaire, bien. Sur celui-là, je veux pas de PV, tant qu'à faire. Maîtrise élémentaire, dégâts crit. Ok, c'est presque fini. Ah, et ben voilà, l'attaque, évidemment. Ok, c'est bon. J'ai libéré la place, il y a 1390, donc il me reste 110 de libre. Mais moi, ce que je comptais faire, c'est me débarrasser de tout cela là, que je me sers pas, et de les, tu sais, de les transformer en justement en cette des flammes ardentes. Donc c'est ce que je pensais faire. J'ai débloqué quoi là? Ah oui. Quelle journée? Je suis pas sûr que ça m'arrange. Si, vas-y, vas-y, fais-le. Ouais, bah il faudrait que je sache quel perso on a besoin et que je mette les artefacts au perso parce que j'en ai vraiment beaucoup, quoi. Parce qu'en fait, ces artefacts là, tout cela. Donc le set fleur de la vie là va avec sur le donjon que je fais tout le temps, qui est celui-là, qui était donc les artefacts d'Endro. C'est le même, c'est les mêmes récompenses, ça c'est les mêmes récompenses sur le même donjon. C'est pour ça que j'ai une quantité astronomique. D'ailleurs, j'ai pas vu celui-là très très mauvais. Celui-ci très très mauvais aussi. Dans les nouveaux, c'est le donjon que j'ai fait ce matin. Celui-là très mauvais. Celui-ci, non, très mauvais, je n'avais pas vu. Défense pour 100. Celui-ci, PV pour 100, PV. Ouais, bof, moyen. Bonus de soins, non, il n'y en a pas besoin sur ce set-là. Ok, donc en fait, il faudrait. Même tout cela, au pire, je pourrais même m'en séparer, puisque si je ne les ai pas. Quand j'en trouve un bien, généralement. Je le monte d'un ou deux niveaux pour le. Oui, je pourrais le cadenasser, tu vois. C'est vrai que je pense pas à cadenasser, j'y pense pas.
Mais la plupart, c'est pas terrible. Oh, celui-là est pas si mal. Ah, celui-là est pas si mal que ça, celui-là. Je vais le cadenasser, tiens. Mais ah, celui-là, ben non, la défense et même l'attaque 19, ça gâche un peu tout, quoi. Celui-là, il est pourri de chez pourri. Ah, celui-là, il sert vraiment à rien. Celui-là pourri. Attaque, défense. Mais la défense, t'en veux pas sur ce genre d'artefact. Ben oui. Sur ce genre d'artefact, il faut pas de la défense. Il faut de la maîtrise élémentaire, il faut Oh, celui-là est complètement gâché. Il faut de la maîtrise élémentaire, et puis je cherche quoi? C'est quoi l'autre? La recherche d'énergie aussi. Du toki, des dégâts crit. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont à garder. Celui-là, voilà. Dommage, la défense gâche tout. Sans compter qu'il n'y a pas le quatrième encore, mais. Ouais, déjà, pour moi, dès qu'il y a de la défense, Après, je ne tiendrai pas la même chose, le même discours, sur des artefacts qui vont sur des persos géo où la défense est importante. Dans ce cas-là, oui. Mais dans ce cas-là, tu fais ça sur un set géo et non pas sur un set dendro. Donc ça, c'est celui-ci, par exemple, même si ce n'est pas un set géo, ça fait quand même augmenter de la maîtrise élémentaire. Donc celui-ci peut servir à quasiment toutes les classes. Il faut le faire sur un set géo, quoi. Je sais même pas si j'en ai. Oh, si, j'ai du pool sur des set géo, forcément. Alors ça, c'est pareil. Ça, augmente les dégâts physiques de 25%. Il n'y a pas beaucoup de persos. Même mon Diluc qui tape fort, même au niveau physique, je me sers plus du feu de Diluc que de son coup d'épée. Donc du coup, les dégâts physiques, je me demande à qui ça sert. Ah si, perso Géo, certainement, ouais. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas de maîtrise élémentaire. Ouais, puis ouais, les persos Géo aussi, je pense, hein. Parce qu'eux, ils n'ont qu'une maîtrise élémentaire avec personne, donc. Les PV sont augmentés de 20%, donc ça c'est des sets aussi qui peuvent servir à des soigneurs. Parce que généralement les soigneurs c'est en fonction de leur PV qu'ils soignent. Il me semble que j'en avais des trucs. Ça c'est Hydro. Il me semble que j'en avais des trucs Géo. Je sais plus c'est lesquels. Ah c'est ceux-là. Confère un bonus de dégâts Géo. C'est le set Plume de la Mort. Et ben celui-là aussi, Fleur de la Vie. Roche ancienne. Ah, c'est le 7 roche ancienne, d'accord. Ouais, d'ailleurs, il est équipé par Albedo, celui-là. Ouais, bah, ça devait être le premier que j'ai eu parce qu'il est tout pourri en plus. Enfin, bref. Ah, mais faut s'y pencher. Faut vraiment du temps pour taper dans les artefacts parce que c'est du boulot, quoi. Ah oui. Voilà. J'aime pas avoir des trucs rouges qui traînent partout. Hop. Allez, vas-y, vas-y. Hop, et hop. Ah, il manque le premier. Ah ouais, faut y passer genre l'après-midi, tu vois. Quoi, il m'en manque? Mais non, il m'en manque où? Ah, histoire, il manque. Autant pour moi. Bennett C6, je sais pas. Oh, c'est possible. Bon, il était sur beaucoup de bannières, hein, Bennett, hein, donc ça m'étonnerait pas. Ah non, pas du tout. Sur deux. Je laissais deux. En C6. Ah ouais, mais 15%, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Bah ouais, moi j'aime le gameplay de Diluc, hein. Ça, bah j'y suis habitué, quoi. Du coup, je fais quoi maintenant? Toujours au même truc.
J'essaie de comprendre le truc. Et oui, les emplacements des clés des ruines, je veux bien, mais où? Je veux bien que tu me donnes les emplacements des clés, moi, c'est ça qu'il me faut. Mais je sais pas comment on fait, moi. Est-ce qu'il faut que je sorte d'ici, du coup? Et puis ce Culus qui me nargue à chaque fois, je sais pas où il est. Alors, il ne peut pas être au-dessus. Il est forcément en dessous. Non, il est forcément en dessous. Sans compter que dans ce genre de choses, il peut y avoir. Ah bon? Ah bah en plus, il n'y a rien en dessous là. Faut avoir accès par autre part. Et oui, il n'y a que dalle. Ouais, si tu veux. Attends. Attends, parce que je crois que mes autorisations sont fermées. Multijoueur. C'est bon, l'entrée est ouverte. Oh, il y a un truc secret derrière. Ah oui, faut que je m'y fasse que j'ai pas mon équipe entière là. Tu vas où là? Oh là 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 les bâtards. Oh punaise. Ah ces vis là. Quoi ça? Moi, je sais rien. Non, mais tout ça, ça a déjà été fait, non? J'ai pas vu partir, je sais pas où il est parti. Je veux bien te suivre, sauf que je sais pas où t'es parti. Je t'ai perdu. Je t'ai plus sur mon écran. Alors attends, je remonte. Je t'ai vu disparaître ici.
Ah, d'accord. J'avais pas vu. D'accord. Attends, mais j'ai. Alors, attends, mais j'en ai fait des trucs dans cette salle, je me souviens. Attends, faut que je me remette un truc parce qu'il y a un truc qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de, du coup j'ai plus de soins. Voilà, je me suis remis au moins mes soins. D'accord, coffre, super. Donc cette salle, alors attends, non mais j'ai fait une salle, mais visiblement c'est pas celle-ci. Parce que je suis pas venu puisque il y a, je vois un défi que j'ai pas fait. C'est un déchaînement de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les boules. 23! Oh, les salauds. Ah, mais je me... Super, il y a un plafond. Je vois qu'il y a une autre boule ici. Oh, il est passé juste en dessous. C'est pas cool. C'est pas cool. Le problème, c'est qu'il y a un... Ah si, c'est... Ben non, il y a un plafond qui m'empêche d'aller plus haut. Il faut enlever la plateforme. D'accord, donc ça se fait avec les trucs là-haut. Mais il faut que je puisse, il n'y a rien pour se téléporter là. Alors, pour enlever la plateforme, je crois que c'est ces trucs-là. Ah oui, merde, c'est en face que ça bouge. Le repousser jusqu'au bout, je crois. Voilà. Il faut faire pareil avec l'autre. Ah non, il était déjà au bout. D'accord, autant pour moi. Retourne à ta place. Voilà. Et donc là. Ah, mais le défi était. Ah oui, le défi est encore. Je crois que c'était fini, moi. D'accord. Je regardais plus, j'avais plus vu le. J'ai récupéré celle qui était toute seule. Dix sur 23, mais ils sont où les autres? Il y en a là-bas, d'accord. Oh, il va pas être facile celui-là. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait.
Sur l'anémo. Non, du coup, c'est pas l'anémo, ça. Ok. Ouais, de toute façon, c'est mort en seconde, je pense, hein. C'est bon? Eh ben, parce que tu as eu une partie, et puis d'accord, j'ai eu les deux derniers. Oh! Bah, c'est du cul, ça. Cool! Tout ça pour un coffre ordinaire. Super! Faut relâcher la boule. Ah, c'est quand même un peu tiré par les cheveux tout ça. Ah, il y a encore des ah oui, mais si... ouais, j'étais venu ici. Et il faut refaire la boule. Et évidemment. Je suppose qu'il en faudra pas qu'un, ça illumine la tour. Ah bah si. Ah, l'autre avait déjà été faite. D'accord. Oh, ça va être beau ça. Précieux, luxueux, précieux. Oh le délire. Ah, ça fait un peu de primogème. Moi bon, les primogèmes. Et du coup. Est-ce que tout a été fait dans cette salle? Oui. Ouais, sauf que. Attends, je t'ai perdu. T'es barré où? Là-bas. Putain, tu vas vite, t'as mangé du top 7. Se réveiller lui? Étonnant. Ah, j'ai entendu le culus. Je le vois pas sur ma map, mais je l'ai entendu. Donc là, la boule bleue, évidemment. Ah, là, il y a une porte que j'ai pas ouverte. Oh. D'accord, je crois que ce serait un ascenseur. On coupe le ventilo. Ah bah Oculus. Ah cool Oculus. Elle est où ma boule bleue? Elle est finie?
Et du loot. Deux boules bleues, faut faire l'autre aussi. On lâche les deux d'un coup. Et une porte à gauche là que j'ai pas ouverte. Vas-y. Bah, c'est bien la première fois que j'ai deux boules bleues d'un coup. Ouais, vas-y, vas-y. Hop, je vais te. Ah, quoi. Allez, elle a, elle. Tu as où? Fais le tour, celle derrière. Ah, celle-là, d'accord. Donc il en manque. Donc là, la porte certainement que j'ai pas ouverte. Voilà, je m'en doutais. Ah, c'est tac la boule. Hop, je regarde, il n'y a rien là-haut. Je regarde en hauteur parce que des fois il y a des culus comme ça. Mais moi j'hallucine, c'est que tu connaisses tout par cœur, quoi. Genre comme si tu l'avais fait hier, quoi. Alors oui, là, c'est vrai que là, il y a rien d'autre à faire. On suit le mouvement, je comprends, mais tu connais quand même déjà les endroits où ça va, donc c'est déjà pas mal. Même si je devais le refaire dans une heure, j'aurais déjà oublié. Le problème, c'est que toutes les salles se ressemblent et moi je suis. Ça, j'hallucine. Et en plus, des fois, il n'y a pas beaucoup de différence entre les salles. Super! Un de plus, c'est ça? Non? Si? Ça va s'allumer ou pas? Oui, je pense. Voilà. Oh, il en manque un. Je suppose que tu vas te téléporter. Alors, où est-ce que tu es là? Hey, il m'a tapé lui! Il est fou dans sa tête. Il en manque un? Il est où? Il est là. C'est pas celui-là qui baisse la tête et qui mourrait rien. Je sais pas si je les ai, ces ailes bleues là, moi. Ça me dit rien. Un bleu ciel comme ça?
Mais pourquoi est-il si méchant? Ça décongèle, hein, ça décongèle. Il en reste encore ou pas? Je vois plus rien du tout, ce bordel. Faut ouvrir ici. Ah bah visiblement j'ai. Ça fait des sauts d'endro. Donc là, il faut trouver un petit truc bleu pour l'ouvrir. Il est là. Attends, il y a des trucs à récup là. Hop. C'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de salle. C'est bon, j'ai tout pris. Donc on y retourne avant qu'ils disparaissent. Coffre. Coffre étrange. Je récupère tout le loot. Ah, la tablette. Oui, moi j'appelle ça une tablette. Je sais que c'est un seau. Là, il y a encore un. Ok, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut le tourner. Ah, attends. Non. Non. Non, il va que dans ce sens-là. Ne me dis pas que t'as le plan à côté de toi, tu m'avais parlé d'un plan tout à l'heure. Oh ma sale labyrinthe, mais comment on peut s'y retrouver là? Ah d'accord. C'est pour ça que tu sais ce que tu fais. Ah ouais, t'as le plan. Tu m'étonnes. Le labyrinthe, oui, ça je l'ai fait, je me souviens. Je vais prendre ça au cas où il y a besoin. J'ai plus l'endurance.
Il est dans l'escalier, il est en mode invisible, l'ennemi. Oh, le salopard. Il nous a suivis en mode invisible, dans l'escalier. J'hallucine, c'est qu'il n'y a aucune indication nulle part. J'ai un truc de nouveau. Ah oui, la recette du meuble. C'était quoi, un tapis? Une livrée. Ouais, super. Là, c'est un vrai labyrinthe. Hein. C'est des malades, les mecs concrets, ça. Tu cherches Spider-Man, il est au plafond. D'ailleurs, ça me fait penser que les. Je les ai pas fait, les. Ces trucs-là, moi. Cool de séquelles nouveau. Profondeur mausolée nouveau. Ok. Le truc qui manque, c'est celui d'en bas à droite. Attendez, par un trou carrément. Attends, je t'ai perdu. Ah oui. Oui, il y a des choses qui ont été faites dans cette salle.
Il faut débloquer celui-là, c'est ça. Super. Mettre les deux au milieu, d'accord. Bah évidemment, logique. Là, les deux sont face à face. Il faut libérer les deux. D'accord. Quand il a été là-bas. Ok. Et lui est libre. Oh là là, oh, le truc de dingue. Pas le mettre dans la poche. Je suppose qu'il faut lui ouvrir la porte. Visiblement, il en manque une tour, non encore? Attends, 1, 2, 3. Il en manque une. Alors, sachant qu'il y a des trucs invisibles. Ça, ça voilà. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Hop, ça, c'est pour rendre les trucs visibles, ça je sais. Ah. Où sont les autres? Ah, j'ai plus de. Fallait que j'attende que ça recharge. 1, 2, 3, il en manque qu'un ici. Ah, il faut que je le reprenne. Voilà. Hop. Eh ben, le problème c'est que voilà, moi j'aurais pas su exactement les mauvais endroits. Alors il a fallu que je chope une vidéo parce que j'aurais pas su aux endroits où aller. Après, ce qu'il y a à faire, oui, c'est de toute façon en même temps il y a plus.
n'y a pas le choix. Mais c'est surtout les endroits où il fallait chercher. C'est tellement immense, c'est tellement un labyrinthe le truc que... Donc voilà mon... Visiblement le dernier. Super, suivez. Alors. Il faut se rendre. Où est-ce qu'il veut? Rendre au grand hall des vérités. De la stèle pour vous rendre au grand hall des vérités. Ben oui, c'est clair. Si tu sais pas, tu tournes en rond pendant des heures, quoi. Alors attends, le coup de la stèle, le grand hall de la vérité. Ah bah ben, apparemment on peut s'y téléporter ici. Est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, on revient à ce hall-là, d'accord. Ok, là j'ai une indication qu'il faut aller tout au bout. Toujours tout droit. Hop, on va essayer de se la traverser en comme ça. Je devrais pouvoir m'accrocher à celui-là normalement. Oui. Et voilà. Est-ce que tu as suivi? Je te vois pas, je sais pas où t'es. Ah, t'es encore derrière. Ok, alors. Ah, cinématique. Ça me turlupine depuis tout à l'heure. Ouais, mais je lis pas, moi, vas-y, passe. Alors, rendez-vous à l'endroit indiqué sur l'appareil géant. D'accord. Il va encore y avoir des énigmes ici, je pense. L'appareil me semble. On n'a même pas le temps de lire le truc. Allons jeter un œil. Jeter un œil où? Chercher la cible dans cette zone. D'accord. Bon, c'est beau ici en tout cas. Donc, encore des énigmes à résoudre. Alors, oui, ça s'est détaché ici. Hop. D'accord. Ça n'a rien ouvert, donc je suppose qu'il y en a pareil en face. Ouais. Est-ce qu'il y en a deux autres? Ah oui, il y en a deux autres. J'ai vu qu'il y avait un coffre. Et donc, je suppose que on va là pour faire le dernier. Alléluia. Oh, oh, cinématique. Tout ça pour une porte. Ça m'ouvre une porte. J'ai entendu un grand bruit venant du hall. Ben ouais. Le grand bruit, il est là. Ah, attends, est-ce que ça a ouvert le coffre ou pas? C'est jamais. Je vais peut-être jeter un coup d'œil quand même. Je vais jeter un coup d'œil quand même si le coffre il est ouvert. Parce que c'est pas dit qu'on puisse revenir dans cette salle tout de suite, en tout cas. Non, le coffre est toujours fermé. D'accord. Qui s'ouvrira après. Allons-y. Oh, d'accord. Oh, ça m'a téléporté où? Ou dans une salle, d'accord. Hop, je passe tout ça. Ouais. Je crois pas avoir déjà vu cette salle. Non, j'ai jamais vu cette salle. Ok, ça m'a débloqué un truc. Alors, il y a des choses à faire ici. Alors, attends. Ah oui, d'accord, ok. J'ai lu. Ok, ben, merci en tout cas du sacré coup de main. Alors, ok. Oui, c'est vrai que ça ressemble à une salle un peu finale, ça. Hein.
Ouais, c'est assez joli, hein. Il y a de la lumière en tout cas. Ah! Ah ben oui, mais ouais, d'accord. Le problème, c'est que tous mes persos ont changé de place. Et là, je suis un peu perdu. Je vais les remettre. Ah d'accord, ok. Oh, il était pas mort. D'accord. Je vais juste reprendre la place de mes persos, parce que là, j'avoue que... Pourquoi j'ai pas accès au triangle là? D'accord. Ah. Je peux pas les changer. Ouais. Comment ça se fait? Non, il veut pas. Il veut pas parce que je dois être encore certainement multijoueur, un truc comme ça. Ok, c'est pas grave. Soin, Barbara. Bah, au moins, Barbara est à sa place. Alors. Mais lui, je l'ai fait déjà. D'accord. On continue alors. On va de l'autre côté. Ok. Super. Allumer la torche principale. Oui, disons. Ah bah voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, tout le monde à sa place. Super. J'avoue que si on me change le genre de mes persos, je suis un peu paumé. Parce que bon, à la vitesse, bah à la vitesse où on joue, quoi, c'est normal, on a tous nos habitudes. Hein. Surtout pour les gens qui jouent avec les mêmes équipes. Enfin, je suppose, bah oui, la même chose. Final. Ah oui, sur les tours, d'accord. Du coup, l'autre, je ne l'ai pas relâché, je crois. Ok, d'accord, ça marche. Mais écoute, merci infiniment de m'avoir aidé. J'ai pu avancer, j'ai pu bien avancer grâce à toi, donc je te remercie, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne nuit, Kelly. Oui. Il est où le... Ah, il est là, il m'attend. D'accord. La deuxième est allumée. Il m'en reste une derrière. Ok. Hop là. Allez, go. Je suppose que je vais me faire attaquer aussi ici. Ah non, pas tout de suite. J'ai déclenché ça pour rien. Ah oui, ça va être ici. Bah oui, évidemment. Pas de bouche là. J'arrive, une petite boule.
Oh là là, le bordel du truc. Climatique. Oh oh. A-t-on affronté un gros boss? On dirait bien, oui. Vainquer le gros type à l'air méchant. Tu m'étonnes. Ouais. On va manger un truc quand même. On ne sait jamais. Ouais, je suppose qu'il faut pas rester dans la OE. Mais tu peux te mettre tes boucliers, mon gars, tu prends cher quand même. C'est fini. Bah, il a pas fait long feu. Waouh, il n'y a plus de tempête de sable! Ah non, mais attends, ça décolle carrément. Le temple, il décolle. Trophée PlayStation, la voie d'élimination. J'aime bien, c'est que je suis toujours à 76% depuis... Ok. Gros coffre. Oh, il n'y a rien dedans. Une plaque de pierre. Non mais tu te fous de mon gueule, toi. Une plaque de pierre. Retourner au village du soleil. D'accord. Ah, c'est quand même grandiose, hein, niveau décor, ce qu'ils ont fait. Attends, il y a un truc qui m'agace là, c'est d'avoir ce truc en suivi. Voilà. Alors, je vais où? Là. Comment elles sont longues les quêtes, hallucinant. Hallucinant. Avec tout ce qu'on a fait, ça devrait rapporter un peu de primogène, non? Double preuve, 60 primogènes. Ah, faut parler à lui, d'accord. Parler à soleil. C'est pas soleil, c'est Soël. T'as pas l'air con avec ton oreillette, toi. Je réponds oui, mais je sais pas quoi. Les yeux écarquillés, Soleil, il examine la selle. Ouais, bah on n'a pas le temps de lire, t'es gentil, pourtant je lis vite, merde. Et j'ai pas appuyé. Ah, dites-moi que c'est la fin de la quête. Alors oui et non. C'est la fin de la quête, mais il y en a une autre derrière. Putain. Mais c'est des grands malades. Non, je vais pas la faire, mais je vais la prendre, évidemment. Donc logiquement, j'ai toutes les autorisations. J'ai pas dit que j'allais la faire, je la prends. Je sais pas de quoi ça parle puisque je lis pas. Ok. Bon ben là, au moins. Alors attends, je veux voir si je peux identifier sur la map pour revenir facilement.
Ouais, il y a une téléportation, ok. Ok, donc maintenant, plusieurs choses. Premièrement, voyons voir où on en est. Ah, ça me ferait plaisir que ça monte. 14, 30, ouais, ça monte. Wow, et ça fait plaisir. Ça, c'est pas souvent dans le jeu, hein, qu'on monte la statue des 7, croyez-moi, ça arrive pas souvent. Donc, j'ai pas eu mes cadeaux, mais je crois que j'ai une clé aussi, et puis des sauts d'Endro. J'ai une clé ou pas? Dis-moi. Tu m'as demandé. Non, allez, quand même. Ouais, j'ai une clé, super. Alors, par contre, j'ai noté ce que j'ai pas. C'est une étoile blanche. Alors, où est-ce que c'est? Une étoile blanche, une étoile blanche. Là. Ça, je vais pouvoir enlever un marqueur encore. Cool. Oh, c'est rien que les cadeaux, c'est rien que des primogèmes, des trucs comme ça, quoi. C'est où? Ouais, tout droit. Je vais tomber dessus. Bizarre, je le vois pas. Ah merde, il est où? Il serait dans les sous-sols. Bah si je l'ai mis, c'est il devait y en avoir. Ou alors c'est dans les sous-sols. Bon bah ok, on va en voir un autre. Là. Alors attends, lui il est dans les sous-sols. On va passer là. Mais non. Ah d'accord, il suit quand même. Ah oui, alors des. Voilà, il faut que je. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok. Alors où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en hauteur? Oui, il est en hauteur, je le vois. Non, je vous pique les carottes, c'est tout. Moi, j'ai laissé un navet, mais tant pis. Il n'y a rien à tirer ici. Comment par là? On va se la faire comme ça. Ah, je suis content qu'on m'ait donné un gros coup de main là sur le sur la partie chiante. Je sais pas, j'arrivais pas à comprendre. D'habitude, mais c'est pas la première fois que je comprends pas ce qu'il y a à faire et qui donne pas assez d'indications. C'est pas souvent, mais c'est déjà arrivé. J'ai dû aller voir une vidéo pour dire, ah oui, quand même. Là, on a un coffre luxueux, donc 10 sauts d'Endro, 40 primogèmes, hein, c'est gros. Hein. Plus tout ce qui va avec. Alors attends, parce qu'avec tous les trucs que je récupère là, j'ai peur d'être déjà arrivé au bout. Ah, je suis pas loin, je suis pas loin. Il faut que je m'en libère encore. 14, on va. J'ai pas le choix, sinon après, si j'arrive à 1500, je pourrais plus les ramasser. PV, sérieux, c'est le seul qu'il fallait pas, il me file du PV. Ok. Et comment gâcher un artefact? Donc ça, hop, je me libère tout de suite. Ça, ok. Maintenant, on va aller à l'arbre, évidemment, puisque
J'ai au moins deux niveaux à passer, voire trois. Je sais pas combien j'en ai, je vais regarder combien j'ai. C'est quoi ça? Ah oui, ah, j'ai un tirage bleu à faire, j'avais pas vu. J'en ai combien des sauts? C'est pas ici, c'est ici. Waouh, 115! Ça fait 35, 70, 70. J'ai 3 niveaux, j'ai passé là. Ah, c'est énorme ça. Hop, on va récupérer les deux papillons. Parce que j'y ai le droit. C'est mes papillons. Voilà. Je vais prendre mes fleurs aussi à chaque fois que je viens. Surtout que celle-là, j'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 4 à récupérer ici. 2. 3. 4. Ah, c'est ça. Allez! Waouh! Ouais, ça fait plaisir ça. Ouais, j'ai passé 3 niveaux, c'est énorme. Alors, oh joli, une clé en plus. C'est beau ça. Ok, ça c'est quoi ça? Oh, c'est un bouquin ça? Oh, on s'en fout. Ça c'est naze. Et 2 boules roses, c'est bien. Et ça sera quoi ça? Base de catalyseur du centre. D'accord. Ouais, on sait pas, les récompenses, c'est pas. Enfin, si, celle-là, elle est plutôt bien. Après, je sais pas, je pense pas qu'on aille au-delà du niveau 35 là. Mais il faut déjà y aller, hein, ça fait encore 5 niveaux à faire. C'est énorme. Cela dit, j'ai déjà 10 sur 35. Donc, ça, c'est fait. Du coup. J'ai eu une autre clé, donc. Oui, il y en a un ici. Donc allons-y. Hop. Ici, la hauteur. Ah. Eh bien, évidemment, évidemment qu'on va le faire, hein, obligé. Il faut faire quoi, temps restant? Ça, c'est de la course. J'ai raté. Cela dit, c'est ici qu'il fallait aller. Ça va. Coffre précieux en plus. 10 primogèmes. Bon, bah, du coup, je retourne à la téléportation parce qu'il a dû m'emmener très loin. Ah, bah oui, j'étais ici. Par contre, oui, j'ai pas fait gaffe où il était. Est-ce qu'on le voit? Il est où? Tout droit, légèrement sur ma gauche. Ah, je le vois. Putain, aujourd'hui, j'ai quand même méchamment progressé. Hein. L'éculus, les dendros, trois niveaux de l'arbre. J'avoir assez d'endurance. Tadam! C'est bon d'ouvrir ça. Tadam!
encore 10 sauts, encore 40 primogèmes. Les primogèmes! Et hop là, on supprime ça. Ensuite, réputation à Sumeru, on y va. Voilà. Seulement 20. Double preuve. Mais elle a duré des heures, le truc, et il te donne que 20. Moi, j'hallucine. Hein. Mais bref. Ok. Bah voilà, j'ai déjà pas mal récupéré. Non, mais non, pas ça du tout, c'est ça que je vais faire. Du coup, 23 sauts. D'accord, j'ai une boule bleue. Il me reste 39 boules rouges. Comme ça. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai autant. Un lieu spécifique de l'IU. Et ben visiblement, ça, je n'ai jamais fait. Hein. J'aimerais bien savoir où c'est. Je vais regarder. Je vais regarder sur Google. Alors, où. Non, pas où est Charlie. Il me propose où est Charlie. Non, mais il est con. Où revendre. Non, on va mettre Genshin. Genshin. Impact. Géo ou échanger sur Géo, voilà un Mondstadt, mais non, c'est pas possible. T'as incité le Mondstadt pour parler à Marjorie devant sa boutique, mais non, c'est les sauts à Nemo, c'est pas les sauts Géo. Oh là là, c'est n'importe quoi. Pour les sauts Géo, il faut vous rendre dans la ville de Liu. Vas-y, allez, clique là-dessus. Je lis. Voilà. Les sauts élémentaires à Nemo. Mon stat, il vous. Alors, il y a une photo. Alors, c'est où? Liu, où est-ce qu'il est le perso là? Ouais, le perso, il est pas sur la photo. Je sais où c'est Liu, mais si tu me dis pas dans quelle boutique. Bon, la dame s'appelle Xingli. C'est la bijouterie à Xingli. Ah si, d'accord, il y a un marqueur. D'accord, ok. C'est le truc en forme de diamant, c'est bizarre. J'y serais pas allé, hein. J'ai 800 géo, j'aurais oublié de les refourguer. On va aller voir ça tout de suite. Plutôt ici. Et tu vas en... Par là, diagonale. Ouais, on va faire ça comme ça. Je suis dégoûté. Ah oui, j'ai déjà tout acheté. C'est juste que le reste c'était du pognon. Ah, j'avais dû les garder en espérant qu'ils complètent la boutique. Bon, bah tant pis. Oh, c'est dommage. Mora. C'est con, j'en ai pas besoin. Ah, je peux encore en avoir. Bah oui, plus évidemment. D'accord. 480 000 plus. Ça fait plus de 600 000. Ok, bon bah voilà, j'en ai plus. Bon bah déçu, je pensais que j'avais oublié de. C'est pareil des recettes de cuisine, à mon avis, j'ai pas tout. Hein. J'ai pas tous les lieux où c'est qu'il y en a. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert un lieu qui en avait.
Donc 23, ok, là c'est du propre. Ensuite, alors c'est ça que j'ai gagné tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu le soleil, d'accord. Ok, ici on est bueno. Là aussi. Alors, oui, c'est ça que je voulais voir. L'œil de la perception, est-ce que j'en ai déjà? Oui. Il est de niveau 2, donc allons-y. Hop. Ah, vous avez vu, c'est pas la même couleur. Là, il est vraiment dans les tons violets, alors que là, il est plutôt dans les tons roses. Ok, donc on va faire ça. Raffiné. En 3 et il est toujours dans les tons roses. Ok. Ça permet de gagner un peu plus de puissance en fait sur l'arme. Elle peut monter jusqu'au niveau 5. Et là, ouais, je peux que je vois. Non, mais je crois que je peux pas le faire. Bah, c'est pas mal. Où est-ce que j'en suis? J'ai encore. Non, mais il m'en a mis combien? Il m'en a rajouté combien d'émissions là? Ah oui, j'ai la queue du chat à faire. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. Rendez-vous au théâtre. Ah, je l'avais pas fini celle-là? D'accord. Ok. Et ici. Non, je peux toujours pas débloquer. Ben non. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je me mets déjà en place pour demain matin. Hop. Oh tiens, je vais en profiter pour faire du. Non, pas ça. Ce sera fait. Super. Ok, je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Un grand merci à Rablack pour son aide. Sans qui j'aurais galéré de nombreuses heures. C'était pas plaisant en plus de devoir chercher. Donc, bien content qu'il ait lu le plan. J'irai faire un petit tour sur mon PC, sur la carte interactive, pour voir la gueule du désert, à quoi ressemble un peu la map. C'est un peu con qu'il nous l'ait pas mis dans le jeu, je vois pas pourquoi. On a toutes les maps, mais pas celle-là. Allez savoir pourquoi, c'est bizarre. Donc voilà, un grand merci. En tout cas, bonne soirée à tous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand le prochain stream, on est mercredi. Ben, pas de. Pas demain soir. Oh, peut-être demain soir, je sais pas. J'ai des nouveaux jeux à lancer. J'ai téléchargé Uncharted 4, même si je l'avais déjà fini à l'époque. Vu que c'est un super jeu, ça me donne envie de le refaire. Donc peut-être Uncharted 4, j'ai très envie d'y rejouer. Surtout que visiblement, ça sera le dernier, il n'y aura pas d'autre après. Ouais, c'était un super jeu, j'avais adoré moi. Donc voilà, merci à tous, merci à ceux qui regardent les vidéos offline, un petit bonjour à nos amis belges et suisses ce soir. Voilà, petit coucou à vous et puis voilà. À bientôt. Ciao.